Samedi 28 janvier 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Espoir Mouinouka, militant du mouvement citoyen Lucha. Espoir, ça va? Non, ça ne va pas, mais aussi nous disons bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos compatriotes, à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Bonjour à nos collègues militants de Lubumbashi, de Kinshasa, partout où ils se retrouvent. Kagame a encore parlé de la RDC, vous l'avez suivi? On a suivi ces verbiages. Aujourd'hui, si jeune Afrique, il s'est prononcé. Hein. Vous devez comprendre que la chanson la plus chantée aujourd'hui dans la bouche de M. Kagame s'appelle « La République démocratique du Congo ». Et moi, quand Kagame parle du Congo, ça ne m'étonne plus. Mais aussi, ça m'inquiète un peu de voir comment est-ce que Kagame s'intéresse actuellement de la République démocratique du Congo. Oh, c'est un voisin. C'est un voisin, on ne refuse pas, c'est lui qui a voulu que nous soyons des voisins. Mais c'est parmi les personnes les plus maudites de la planète Terre que l'humanité n'a jamais connues. C'est le Hitler de l'Afrique. Revenons sur ces quelques propos sur Jeune Afrique. Tant que le gouvernement congolais estimera qu'il peut gérer sans nous l'FDLR, il n'y aura pas la solution. Paul Kagame. Tant que les Congolais, ou bien le gouvernement congolais, estime qu'il peut gérer les FDLR, ça, il n'aura pas une solution. Ouais. Moi, je crois qu'il se trompe. Et d'ailleurs, je crois qu'il a le devoir, il a le devoir de remercier le gouvernement congolais. Sans le gouvernement congolais, les FDLR seraient déjà chez eux au Rwanda, vous voyez. Mais c'est le gouvernement congolais qui les bloque. Moi, je crois le gouvernement congolais, et nous devrions ouvrir les portes qu'on les laisse partir au Rwanda et voir comment est-ce que Kagame va les gérer, vous voyez. Nous faisons notre preuve d'humanisme en les bloquant ici. Imaginez lorsqu'ils vont partir chez eux au Rwanda, qu'est-ce qui va s'y passer, vous voyez. Nous, dans le sens d'humanisme, nous les bloquons au Congo qui ne puisse pour plus protéger Kagame. Non, c'est pour protéger le lambda rwandais, vous voyez. Et aussi voir que nous ne sommes pas amateurs de troubles dans la région des Grands Lacs. Mais attendez, comme je le dis chaque jour, il y a une dernière gouttelette qui risque de faire déborder la vase. Monsieur Kagame se prend comme un malin, mais je vous dis que le malin, le balayeur a été balayé, le trompeur a été trompé. Il pense qu'il est le coq de la région des Grands Lacs, mais je crois que les choses vont changer. Les choses vont changer. Et nous pensons que tout le monde va se prendre en charge. Qu'il soit les FDLR, Seniatura qu'il a implanté au Congo, je crois que tout le monde va se prendre en charge. Si les Rwandais appartiennent aux FDLR, ils vont rentrer chez eux, récupérer leur pays. Et si ça ne leur appartient pas, ils vont accepter de cohabiter ensemble, je ne sais pas, chez nous. Dire qu'on ne peut pas les gérer, ça, quelquefois, il a raison, puisque ce sont des implantés et d'autres sont des personnes qui avaient fui les atrocités de M. Kagame. Vous voyez, ils sont des réfugiés, nous les considérons comme des réfugiés, mais nous ne voyons pas comment. Est-ce que Kagame a le droit de les poursuivre jusqu'ici? Non, il n'a plus ses droits. Il avait ses droits à l'époque de Kabila, en 2009, quand il était venu ici, et en 2011, quand il était venu encore ici. D'accord. Mais actuellement, il n'a plus ses droits de venir chez nous, sous prétexte qu'il est venu chercher les FDLR. Mais il y a ses amis M23 qui existaient chez lui. Est-ce que nous, on était un bonjour à aller les rechercher Rwanda? Non, c'est que je crois que ça doit interpeller tout le monde. Nos autorités doivent y tirer les suites conséquences. À ce qui concerne les M23, il peut en effet m'arriver de parler à ses dirigeants. Après tout, ils sont à nos frontières, déclare Kagame. Il commence à revenir à la raison. Mais Kagame, quelquefois, il se poignarde de lui seul au dos. Est-ce qu'il oublie qu'il avait signé les accords de Luanda pour dire aux 1-23 de se retirer? Et il avait dit lui seul qui va dire aux 1-23 de se retirer, vous voyez. Et lorsqu'il dit qu'ils sont à nos frontières, nous savons l'histoire des scènes de PRCD. Ces gens, ils ne sont pas en mesure de se battre loin de la frontière rwandaise, vous voyez. Ils savent se battre lorsqu'ils sont à la frontière entre
le Rwanda et le Congo. C'est ce qui prouve que Kagame, c'est leur parrain. C'est que tout ce qu'il dit là, il ne fait que tromper ses acolytes, il ne fait que tromper ceux-là qui, ce petit nombre de gens qui ont encore confiance en lui. Mais personne aujourd'hui, constitué de son esprit patriotique, peut encore faire confiance à M. Kagame. Et je crois que même les M23, quoi que ce sont ces garçons de course, ils commencent maintenant à ne plus avoir confiance à M. Kagame. C'est que tout ce qu'il dit, ça doit servir de leçon à nos autorités. Puisque chaque sortie médiatique, il y a des choses que nous devons y soutirer pour brandir ça à l'humanité par entière et comprendre les calvaires que fait vivre M. Kagame, les calvaires que nous vivons aujourd'hui, nous causés par M. Kagame. Je vous l'assure, de mon vivant et du vivant des générations futures, il n'y aura plus jamais de génocide au Rwanda. Il y en aura au Congo. Il y en aura au Congo maintenant. S'il veut prévenir ça, c'est de laisser tout le monde vivre en paix et en quiétude dans son pays. Mais lorsque vous venez troubler la paix chez nous, est-ce que nous ne sommes pas à mesure de troubler la paix chez toi? Nous sommes aussi à mesure. Mais nous, je crois qu'aujourd'hui, les gens devraient prendre la RDC et la population congolaise comme exemple. Voilà aujourd'hui ce que commencent à faire les Ukrainiens aux Russes. Ils commencent aussi à larguer des bombes sur la Russie. Et nous, qu'est-ce qui ne dit pas qu'on peut arriver aussi à ce niveau? Et moi, je ne crois pas que quelqu'un qui avait réussi le pouvoir ou bien acquis le pouvoir par génocide et dire que non, de son vivant et la génération future n'en aura plus. Non, c'est là qu'on avait chassé au Rwanda. Mais il se reconstitue. Ne pensez pas qu'ils sont seulement au Congo, ils se reconstituent. Ils sont partout ailleurs au monde aussi. Ils avaient fui partout ailleurs. Et s'ils se reconstituaient et revenir chez eux, vous allez dire que vous allez prévenir le génocide. Ils peuvent revenir en paix. Peut-être comme ceux-là qui sont au Congo, ceux-là qui s'étaient réfugiés au Congo, ils ont déjà acquis cette notion de la cohabitation pacifique avec tout le monde. Peut-être eux ne peuvent plus commettre des actes barbares. Mais ceux-là qui sont ailleurs, nous ne savons pas comment est-ce qu'ils se comportent. Moi, je crois que la meilleure façon de lutter contre le génocide, et d'ailleurs, hier, c'était la journée internationale, c'est nationale de la prévention du génocide, je crois. Alors, pour lutter contre ça, il fallait promouvoir la cohabitation pacifique et promouvoir la paix pour tout le monde et la paix à tous. Mais lorsque vous êtes en train, vous, de promouvoir les criminels, la criminalité, lorsque vous troublez la paix ailleurs, mais comment est-ce que vous êtes en train de prévenir ça? C'est que lorsque vous troublez ailleurs, ils vont aussi se reconstituer et demain peuvent venir aussi, ils vont créer d'autres génocides. Vous voyez, c'est que tout ce que dit Kagame, il se contredit dans ce qu'il fait dans ses actes. C'est que ses actes ne reflètent même pas tout ce qui sort de sa bouche. Mais on peut comprendre, puisque c'est un hypocrite et c'est leur habitude, c'est leur tactique, mais l'humanité par entière devrait y tirer conséquence et l'esso afin de mettre Kagame hors état de nuire. C'est que pour prévenir aujourd'hui les génocides dans la région des Grands Lacs, c'est de mettre Kagame hors état de nuire. Point barre. Tant que Kagame est là, il y a toujours des gens qui vont se constituer toujours et peut-être qu'ils pensent qu'il faut aussi récupérer les pouvoirs de telle ou de telle autre manière. Puisque le Rwanda, c'est un pays purement dictatorial, c'est un pays qui vit dans la dictature et les gens pensent qu'il faut toujours prendre les pouvoirs par les armes comme Kagame avait pris les pouvoirs par les armes. Moi, je ne prends pas la défense aux opprimés ou bien aux réprimés par M. Kagame, mais c'est Kagame fait vivre l'humanité dans les des Grands Lacs aujourd'hui, c'est honteux et c'est ridicule pour un chef d'État. Ce qui lui fait l'homme fort de la région. Non, être homme fort, après avoir versé le sang, vous êtes homme fort en quoi? Puisque vous avez toujours toute une malédiction devant toi. Et cette génération, qu'il dit la génération future, c'est une génération maudite. Vous voyez, c'est une génération qui sera basée sur la conquistion. C'est une génération qui va se heurter sur beaucoup de guerres. Mais quelle génération que vous préparez? Vous préparez une génération composée aussi par des criminels. Moi, je ne vois pas en quoi vous êtes un homme fort. Il pouvait être un homme fort si sa philosophie était basée sur la démocratie. Vous voyez. Mais lui, quand il va mourir, il sera peur de quoi? Peur de génocide? Peur de la dictature? Non, il risque de finir comme Mobutu. Il risque de finir comme les autres, vous voyez. Or, nous, dans la région des Grands Lacs, on pensait qu'il fallait avoir un même langage,
qu'il fallait avoir un même discours comme aujourd'hui, puisque nous on pensait quand on a vu, on a, puisque nous sommes nés, il y avait la CIRGEL, mais ce qui était à la philosophie de cette création, c'était de voir une Afrique unie, une région des Grands Lacs unie qui a un même langage, qui a un même discours. Mais aujourd'hui, tous les discours que nous voyons maintenant plantés par M. Kagame, je crois, ça n'honore même pas les Blancs qui sont derrière Kagame. Ça ne les honore pas. Qui sont ces Blancs? Ils sont connus. Ils sont connus. Il y a l'Union européenne. Et quand on parle de l'Union européenne, on parle de la Belgique, on parle de la France, on parle de tous ces pays membres de l'Union européenne. Ce sont des hypocrites. Est-ce que vous avez sérieusement qu'il y a des Blancs sérieux? Mais la plupart d'eux, ce sont des hypocrites. Et moi, je l'ai dit, je n'ai pas peur ni honte de les déclarer tout droit et droit dans les yeux que ce sont des hypocrites. Ils nous trompent, qu'ils nous soutiennent. On a suivi la Chine qui a donné 26 000 dollars à la RDC et l'Union européenne qui donne 20 millions au Rwanda. Mais ça, c'est quelle hypocrisie. Vous voyez, c'est une hypocrisie totale. Et c'est honteux pour eux, puisqu'ils sont en train de soutenir les gens qui tuent les autres. Et demain, ils vont revenir pour nous dire non, journée mondiale de la prévention du génocide, journée mondiale de quoi, journée mondiale de la paix. Tant que vous soutenez celle qui égorge des civils, celle qui égorge des citoyens lambda, celle qui égorge des innocents qui n'ont même pas commis telle ou telle autre faute. Vous voyez? Et ces mêmes gens, c'est eux qui les soutiennent et c'est eux qui reviennent devant nous pour nous dire qu'ils nous soutiennent. Non, c'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi, c'est honteux pour eux. Nous les maudissons aussi d'ailleurs. Ah, mais oui. Ça ne va pas arriver. Hein. Non, pourquoi dire que ça ne va pas arriver? Non, ça va arriver. Ça va arriver. En fait, vous savez, nous sommes avec eux. Nous avons leur consulat ici. Nous avons leurs ambassades ici chez nous. Nous allons accepter de les foutre dehors et s'occuper nous-mêmes de nos problèmes. Et nous allons trouver une solution. Ça, la communauté internationale. Mais oui. On va trouver une solution. Ça s'est déjà fait. Mais la Russie vit seule. La Russie vit seule. Là, c'est une grande force, cette puissance, c'est mon non, frère. Vous savez, tout ce qu'ils ont, nous en avons. Et tout ce que veulent les autres, en avons. Vous avez aussi Satadé. Et ils fabriquent ça à travers quoi? C'est à travers ce que nous avons. Vous voyez, c'est nous, en fait, c'est nous qui détenons tout ce que, et tout ce dont l'humanité en a besoin. Que ce soit dans les jours à venir, que ce soit dans la fabrication des physiques, que ce soit dans la fabrication de tout ce qui existe. C'est nous qui en avons. Nous avons les réservoirs de ça. Mais ça ne vous sert à rien. Et c'est ce qui est aussi quelquefois source de notre malheur. Ça ne nous sert à rien maintenant, mais attention. Aujourd'hui, je ne vais pas tout dévoiler, puisque nous savons que ces gens nous suivent. Mais attention, il y a certains jeunes Congolais aujourd'hui qui sont partis aussi étudier comme les Chinois l'avaient fait, vous voyez. C'est que nous sommes sûrs et certains que dans les jours à venir, nos jeunes ingénieurs qui sont partis à l'extérieur, ils peuvent revenir et inventer aussi tout ce que les autres pays inventent aujourd'hui. Si nos dirigeants pouvaient se soucier, nos députés pouvaient se soucier de l'avenir de la RDC, changer le Congo, c'est moins, vous voyez, c'est moins. Nous avons aujourd'hui, nous avons des grands médecins au monde. Nous avons certains jeunes qui sont dans des pays étrangers, des pays développés, et qui sont en train d'apprendre, et d'autres continuent toujours à apprendre. C'est qu'ils peuvent transformer et fabriquer ici, chez nous. C'est que, qu'on ne se tourmente pas tout simplement. Ça sera pas tard. Non, même si ça soit tard, mais vaut mieux tard que jamais. Vous voyez? Bon, mieux tard que jamais. Et moi, je suis sûr et certain que cette nouvelle génération, plutôt, je crois que dans le discours de M. Kagame, il a parlé de la génération congolaise, pas la génération rwandaise. Puisque nous sommes en train d'évoluer petit à petit, nous apprenons petit à petit, et nous sommes en train de mettre en marche tout ce que nous apprenons. C'est que nous devons toujours espérer, et il faut aussi réfléchir sur comment remplacer cette classe de politiciens moribonds qui ne songent que pour leur ventre et qui ont des réflexions basées sur les cycles électoralistes. Je n'accepte pas que le Rwanda soit le bouc émissaire des dirigeants congolais. Paul Kagame, c'est jeune Afrique. Non, c'est le ping-pong entre Kagame et M. Tshisekedi. Mais nous, ça ne nous arrange pas, vous voyez. Dire que non, le Rwanda ne sera pas le bouc émissaire. Mais que le Rwanda récupère ces terroristes au Congo. Les dire de partir chez eux au Rwanda, point barre. Est-ce que nous, on aura encore le problème avec eux? Non. Dans les 9 voisins qui nous entourent, pourquoi seulement le Rwanda?
dire que non, c'est le bouc émissaire. Et aussi, lorsque M. Kagame tient de tels propos, nous savons sa carte. Sa carte, c'est de diviser la population congolaise. Il connaît, oui, nous savons que chez nous, il y a des défaillances. Nous savons que quelquefois, le chef de l'État ne fait pas à ce qu'on attendait qu'il puisse faire. Mais ce n'est pas à Kagame de nous dire ça. Et lorsqu'un étranger vous dit que non, voilà votre chef de l'État, il ne parvient plus à répondre à vos devoirs. Oui, nous le savons qu'il ne répond pas à nos devoirs à 100%. Mais ce n'est pas à Kagame de le dire. Et d'ailleurs, comme c'est Kagame qui cherche à nous tourner contre certaines de nos autorités, nous allons les soutenir maintenant. Vous allez soutenir qui ? De nos autorités Kagame. Que M. Kagame veut diaboliser. Vous voyez, ce sont nos problèmes. Si nos autorités ne travaillent pas, en quoi M. Kagame est concerné ? Je ne vois nulle part dans tous les accords qui existent au monde où on dit que lorsque telle autorité ne travaille pas pour son peuple, un étranger peut se mixer. Non, de telles ingérences, c'est révolu. Nous savons que Kagame a ses politiciens. Kagame monte des plats d'ici et là pour instrumentaliser certains politiciens de soulever la population. Mais nous, le peuple congolais, ça ne nous concerne pas. Nous savons que Tshisekedi a échoué, oui, sur certains plans, mais ce n'est pas à Kagame de nous dire que lui, il ne sera pas les boucs émissaires. Nous sommes en guerre et nous devons tous nous unir pour mettre l'ennemi hors état de nuire. Point barre. Notre ennemi dans la région des Grands Lacs s'appelle Monsieur Kagame. Dire que non, on veut les transformer des boucs émissaires, c'est faux. C'est lui qui cherche maintenant ces boucs émissaires. On finit par ces propos parce qu'on doit parler de notre actualité. Les FDLR sont devenus une force qui se bat pour Tshisekedi, Paul Kagame. c'est faux. Puisque, en fait, mais les FDLR étaient au Congo avant Kagame, avant Tshisekedi. Mais les M23 n'étaient pas au Congo avant Kagame. Vous voyez. Moi, je ne vois pas comment. Il y a eu les M23 quand même en 2012. C'est toujours 10. À l'époque de Kagame. CNDP, c'est à l'époque de qui? C'est des Kagame. RCD, c'est à l'époque de qui? Des Kagame. Vous voyez. Donc, vous voulez dire que c'est lui qui est venu avec tout ça? Mais oui, c'est lui qui autre. Dis-moi qui autre. C'est lui. Et Tshisekedi est venu avec quoi? L'IDPS. Bon, nous savons, l'IDPS, c'est une école. Hein? L'IDPS de Mouzé et l'IDPS d'aujourd'hui, il y a une différence. Il y a une différence. L'IDPS d'aujourd'hui. Revenons, s'il vous plaît, sur les sujets. C'est du charlatanisme. Hein? Revenons sur les sujets. Oui. En fait, dire que les FDLR aujourd'hui se battent pour Tshisekedi, c'est faux, archi faux. Okay. C'est faux, puisqu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Mais nous avons des preuves que Kagame, c'est le parrain des M23. Et ce sont des preuves irréfutables. Même si on peut briller toutes les pistes, mais qu'il ne puisse pas oublier qu'il avait signé les accords de Luanda pour dire aux M23 de se retirer. Toi qui n'es pas leur parrain, comment tu peux leur dire que non? Tu vas leur dire de se retirer. C'est que ce sont tes enfants. Et facilement, tu peux leur dire, arrêtez ça. Et ils vont arrêter. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui dit à son enfant, je ne veux pas que vous puissiez porter ça aujourd'hui. Son enfant va obtempérer. C'est comme ça que Kagame était parti signer. Mais où est-ce que M. Tshisekedi, oui, nous ne savons pas aussi, c'est pas puisque nous ne sommes pas de sa famille politique, nous ne sommes pas ses conseillers, nous ne sommes que des citoyens lambda, mais ça ne figure nulle part où Tshisekedi a des accords avec les FDLR. C'est que ce sont des fabrications qu'ils fabriquent pour faire dire à la communauté internationale, voilà, les FRDC soutiennent ça, le gouvernement congolais soutient ça. C'est faux, archi faux. Et comme je l'ai dit, tout citoyen, tout être humain constitué de son esprit d'humanisme doit comprendre que M. Kagame, ce ne sont que des fonds fuyards. Il est aux abois aujourd'hui. Il ne sait plus où tenir puisque depuis qu'il existe, c'est ça. Première fois qu'il est, c'est maintenant qu'il est en train de tenir des discours d'ici et là pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore prêter oreille à ce qu'il dit. On finit par cette question. La ville de Goma est désormais isolée de la partie nord de la province, notamment des territoires de Rutshuru, Lubero, Beni et de la ville de Butembo. La route Kichanga, Kilolirwe, Goma. La seule voie qui restait est désormais occupée par les rebelles du M23. L'occupation du M23 est intervenue à la suite des combats qui l'ont opposé au FRDC dans cette région. Du coup, la ville de Goma reste totalement coupée et asphyxiée.
Il s'observe déjà une hausse des prix des produits alimentaires sur les marchés. Goma n'étant plus en tout cas approvisé en haricots, maïs et autres produits cultivés localement. Les responsables de l'association des chauffeurs du Congo à Seco au Nord Kivu déplorent des conséquences néfastes sur la vie sociale de la population de Goma. L'économie de la province est par terre d'après eux. Ils appellent en tout cas les gouvernements congolais de tout mettre en œuvre pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette région. Cela fait plus de 7 mois que le trafic routier Goma, Kiwanja, Butembo, Beni est coupé depuis l'occupation du territoire de Rutshuru par les rebelles du M23. En tout cas, Goma a asphyxié M. Mwinuka. Ouais, c'était parmi les plans de M. Kagame. Encore Kagame. Non, quand je parle des M23, mais c'est Kagame, Museveni. Vous pensez qu'il y a qui est qui? Ce sont ces deux gens. Comme je le dis chaque jour, cette guerre n'est seulement une guerre d'occupation, mais aussi c'est une guerre à caractère purement économique. Vous voyez, c'est l'économie de la province qui est en danger. Puisque peut-être certains de nos compatriotes, c'est là qui sont à Kinshasa, c'est là qui sont dans des ministères, c'est là qui siègent, qui somnolent dans l'Assemblée, ils ne savent pas comment est-ce que l'économie, comment est-ce que les agriculteurs produisent pour notre économie. Vous voyez, l'agriculture fait partie des choses qui font entrer quelque chose dans notre trésor public, qui paye ses somnolaires dans l'Assemblée nationale. Ah, vous exagérez, nos députés, ce sont nos élus, on les appelle des honorables. Non, ils sont devenus des déshonorables. Et ça, ils sont aussi au courant. Mon cher ami, 21 000, il faut respecter quelqu'un qui reçoit son argent. Et qui travaille pour c'est ça. Celle-là qui contribue cet argent, qui fait paniquer ces somnolaires au niveau de l'Assemblée, qui les transforme en zombies ivres d'îlets. Ce sont eux maintenant qui sont aujourd'hui à asphyxier, vous voyez. La province Nord Kivu, attention, c'est parmi les provinces qui contribuent énormément pour les survies nationales, vous voyez. Bon, effectivement que nous sommes aujourd'hui asphyxiés, mais nous allons prendre aussi des mesures qui peuvent nous aider. Et c'est pourquoi moi je dis que nos députés sont des vrais somnolaires, puisque jusqu'à maintenant, ils sont en vacances, aucun d'entre eux n'a produit une loi. Ok, entre eux n'a produit une loi. C'est que l'Assemblée de cette législature, ils n'ont pas produit même une seule loi. Bon, il y a trois lois. Il y avait quand même la loi Sir Tchani qu'on avait rejetée, la loi de Sepate. Non, c'était une bonne loi, mais la loi Noltien, c'était une bonne loi, mais une loi qui avait des sentiments. Mais c'était une bonne loi, parce que ça existe toujours partout au monde, mais il y avait des sentiments. Il y a plusieurs lois. La loi, monsieur, j'oublie, c'est lui qui parlait de la dot. Il parle de la dot. Ouais. Il parle de la dot. Mais c'était rejeté. Il parle de la dot, or les jeunes sont en chômage. Personne ne parle pour la défense, personne ne parle pour l'agriculture, personne ne parle pour la vie nationale. C'est qu'ils sont toujours dans des futilités. Bon, je vis l'un de Mounyomo qui a essayé de parler sur la vie de l'enseignant. Quand même, c'est aussi une bonne chose, mais nous ne savons plus où en sommes-nous. Il y a des avancées sur ce plan-là, quand même. C'est l'un des députés, là on précise, bon, député national. Oui, quand même, il fait quelque chose, mais aussi il aime aussi s'afficher, chose que nous. Non, c'est la politique, mon cher. Non, la politique ne veut pas dire faire de mauvaises choses. La politique, ouais. Puisque aujourd'hui, lorsque les choses ne vont pas au Congo, non, c'est la politique. Mais c'est pas ça la politique qu'on nous enseigne à l'université. Non, l'université, c'est autre, mon cher ami. La politique ne veut pas dire détourner. La politique les ne veut. Les enseignants qui vous enseignent n'ont jamais fait la politique. Non, ils sont des grands détourneurs aussi. Est-ce qu'on oublie? Il y a notre professeur, dis-moi, je vais essayer de les citer les noms. Mais il a été suspendu pour incompétence. Notoire. Tout un professeur d'université, vous voyez. Alors, pour répondre à la question, monsieur le journaliste, comme je l'ai dit, la guerre aussi a des caractères purement économiques. Les Rwanda et l'Ouganda, surtout l'Ouganda, ils cultivent. Et ce qu'ils cultivent, comme le président Kenya l'avait dit, que leur marché, c'est le Congo, vous voyez. Ah, et aujourd'hui, ça ne sert à rien de nous battre. Ils nous ont montré que leur marché, c'est le Congo. Puisqu'ils sont ici,
Les Kenyans sont là, ils observent les 1-23. Comment est-ce que les 1-23 empêchent? Je vois même les aujourd'hui. Hein. Ils auront un match, puisque quand on parle de les éco-gardes ICSN, ils cohabitent avec les 1-23. On parle du match de l'EAC, donc les Kenyans et l'ICSN. Les 1-23 sont dans les locaux des éco-gardes, mais ce sont les mêmes. Vous avez vu comment est-ce que Demerod accepte de vivre avec les 1-23? C'est qu'il y a les deux partenaires de les 1-23 qui vont jouer. Fin de cet entretien. Non, je n'ai pas encore répondu à la question. Et nous craignons que ces gens qui aient match entre 1-23 et l'EAC, ce sont les mêmes. C'est un match amical quand même. Bon, amical puisqu'ils sont des amis. Vous voyez, c'est pourquoi on appelle ça match amical. Fait de et cet entretien. Aujourd'hui, comme ils ont montré que nous sommes leur marché, les 1-23, les Kenyans, regardent comment est-ce que nos agriculteurs ne parviennent plus à accéder dans leur champ. Ils vont cultiver chez eux au Kenya. Et puis, ça va transiter par le Rwanda et on va amener ça ici. Nous allons consommer ici chez nous. C'est pourquoi moi je dis, nous devrions tous nous activer dans cette guerre. Merci. Que cette guerre soit une guerre populaire, puisque Merci c'est beaucoup. Une guerre de libération. Merci. Refusons aussi les produits qui viennent d'ailleurs. Merci beaucoup, vous voyez, mesdames et messieurs. Espoir, on s'équipe quand on va, à votre quand on va refuser leurs produits, qu'on va refuser leurs produits, ils vont voir que leurs produits ne seront pas consommés et ça va pourrir dans leur dépôt au Rwanda. Vous D'accord. voyez. Merci. Nous devons arriver à ce plan. Nous n'allons pas mourir de faim. Quand tous nous serons affamés, nos autorités seront affamées, et nous serons affamés ensemble, nous allons définir des mesures et ces mesures vont nous aider à mettre l'ennemi au retard de mur. Nous savons leur ligne d'approvisionnement et nous devons couper cette ligne d'approvisionnement. Ils vont mourir aussi des familles dans nos forêts. Merci. Vous allez les fin de cet entretien, on s'agit par rapport à ton numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus 243 9 92 66 42 08. Chers compatriotes, partout où vous êtes, boycottez les produits rwandais. Merci, c'est vous qui le dites en tout cas. Merci mesdames et messieurs. Bon week-end à tous et à toutes. Au Congo, nous n'avons plus de quoi fêter le week-end. Mais une question, monsieur Mouinoka. Ouais. Question directe. Ouais. De Bunagana à Kichanga, c'est combien de centimètres? Est-ce qu'il faut parler de centimètres ou de mètres? De Bunagana à Kichanga, c'est des kilomètres, pas des centimètres. Pas des centimètres. Bon, quel centimètre de notre pays ne sera-ce? Céder à l'ennemi. Hein. Non, ce ne sont que des occupants qu'on peut mettre à l'extérieur au retard de nuit. Donc, on ne peut pas céder. Aucun centimètre ne sera cédé aux étrangers. Merci. Moins encore à ce petit pays rwandais qui pense qu'il aura une tranchée au Congo. Fait de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci, espoir d'avoir été là. Bon week-end. Bon, moi, je ne dis pas. Vraiment, je ne prends pas ce bon week-end. Dans le sens où mes compatriotes. Merci. De Massissi, de Kishish, c'est toujours. Non, à 2 km, il y aura un week-end quand même. Bon, à 2000 km, c'est là qu'ils vont festoyer, je crois. Ils se trompent. Ce sont nos députés qui vont fêter, ce sont nos ministres à Kinshasa. Mais nos compatriotes de Kinshasa, les civils de Kinshasa, je ne crois pas qu'ils fêtent. Ils sont de cœur avec nous. Notre diaspora, ils font toujours être de cœur avec nous. Nous, vos compatriotes ici, ça ne tient pas, mais on se bat toujours, on ne baisse pas garde. On ne peut pas débrouiller aujourd'hui. Merci. Bye bye. Bye.